Si vous voulez entendre une jeune passionnée de l'État d'Israël, eh bien restez avec nous. Elle s'appelle Shana Orlit, elle est arrivée il y a 5 ans en Israël et nous, on est ravis de l'accueillir. Salut Shana. Bonjour, merci de me recevoir. De rien, avec plaisir. Donc on est toujours assez curieux de connaître les différents parcours d'Alia. Alors le tien est classique et en même temps, très engagée quand même, oui. Donc c'est selon, on va voir. Donc tu as grandi à Paris. Oui. Voilà, dans une famille ashkénaze, pas forcément religieuse. Non, tradition juive, mais pas forcément religion. Et pas forcément très proche d'Israël. Non plus, c'était vraiment plus Gefilte Fish que Tel Aviv ou Jérusalem. C'était, on va dire, culturel un peu, oui. Culturel plutôt. Oui, culturel, les chagim, etc. Mais vraiment, les chansons, la nourriture, les fêtes en famille, voilà. Voilà, alors ton lien avec Israël, il est né quand et comment ? Alors, il est né à la Shomer HaTzair, un mouvement de jeunesse où ma mère a décidé de nous mettre, ma sœur et moi, en se disant « Ok, ça ne va pas suffire notre éducation juive, il faut de l'aide ». Et du coup, elle nous a mis à la Shomer, qui était le plus proche de ce qu'elle pensait être son identité juive. Et la Shomer, en fait, nous a vraiment apporté ce judaïsme et cette connexion à Israël parce que les mots étaient en hébreu, les chansons, les danses. C'est un mouvement chaloutique, évidemment. Et pas forcément religieux, non. Mais hyper sioniste, forcément. Voilà, exactement. Donc ça a duré quelques années, j'imagine. Oui. Les plus belles ? Pour l'instant. Ok, donc tu étais très engagée dans le mouvement. Oui, ouais, ouais. J'ai beaucoup adhéré au ce truc du kibbutz, donc le groupe vraiment où on se confie, on grandit ensemble, on fait du bénévolat ensemble, etc. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu et ça m'a beaucoup imprégnée. Et ça a fait, je pense, une grande partie de qui je suis aujourd'hui. Ok, alors à la fin du parcours dans ce genre de mouvement, forcément, quand on a le bac, on part en Israël. Est-ce que ça a été ton cas ? Non, ça n'a pas été mon cas, plus pour des histoires romantiques où il fallait peut-être rester à Paris pour cette situation, mais je ne me sentais pas si connectée que ça. Pour moi, ma vie, elle était à Paris, les études, vraiment, ce n'était pas la question à 18 ans, même si une partie de mon groupe de la Shomer avait, eux, décidé de faire leur alia tout de suite après le bac. Moi, ce n'était pas mon chemin, en tout cas pas pour les quelques années après le bac. Donc, tu es restée à Paris. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait des études de droit et sciences politiques à Assas. Et pendant ma licence, j'ai décidé de... Comme je visitais mes amis à Tel Aviv... Tu t'es dit quand même, ils ont une vie vachement sympa. Je me suis dit, c'est quand même super sympa d'être jeune en Israël. Et avec l'armée, avec tout ça, c'était des choses où, très nouvelles pour moi au quotidien. C'était des choses que, évidemment, je connaissais, mais... Le vivre si proche chez mes amis, ça m'a beaucoup plu, ça m'a intéressée. Donc, je me suis dit, allez, on va faire 6 mois, on va voir ce que ça donne. Donc, tu arrêtes, tu prends le risque d'arrêter tes études en France. Oui, je prends une année, je fais 6 mois de stage dans un cabinet d'avocat. En Israël ? Non, en France. Ah, en France, ok. Je me dis, voilà, ce sera toujours ça de pris. Et puis, pour le semestre suivant, je me prévois un semestre à l'Université de Tel Aviv. Je m'inscris et ils me disent « Ok, premier semestre, c'est pas possible. » Toute seule, il n'y avait pas d'équivalence à l'époque, il n'y avait rien du tout, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. En parallèle, j'essaye d'envoyer des lettres et des mails, etc. pour développer. Israël me dit « L'Université Tel Aviv, on est partant, évidemment, Assas bloque. Donc pas d'Erasmus, pas de partenariat. » Donc moi, toute seule, sans récupérer de crédit, de points, de notes, je pars essayer, en fait. C'est ça, tu te dis « Tant pis, si je perds un an, c'est pas grave, ce sera pas perdu, parce que j'aurai une expérience en Israël. » Exactement. Et je me suis dit « C'est qui tout double ? » Soit c'est une super expérience, et voilà, soit c'est une expérience qui change la vie, et je finis ma licence en France, et je pars en Israël, et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qui s'est passé, tu rentres en Israël, tu termines, mais là, t'es bien, bien décidée à venir vivre ici, et tu fais un master en Israël. Oui, je décide qu'en fait... je suis passionnée par la politique, par ce qui se passe ici au Moyen-Orient et en Israël, évidemment, particulièrement. Je trouve un master de résolution des conflits et de médiation. Je me dis, c'est super, c'est ce qu'il me faut. Alors, résolution des conflits, médiation, master, tu parles donc l'hébreu ? Non, c'était en anglais. Non, je ne parlais pas. J'avais pris 3 ans au lycée l'option hébreu, mais... Pas mais plus non. que ça. Non. D'accord, donc tu étudies en anglais. J'étudie en anglais. J'ai la chance que mon anglais est plutôt bon, donc ça m'a permis d'étudier en anglais. Et en parallèle, je fais un ulpan. Et voilà. Et la première année, c'est une école internationale, donc ça ne fait pas vraiment alia. On était tous, il y en a qui font leur alia, il y en a qui sont touristes. Donc c'est vraiment l'année suivante. Où vraiment là, je commence mon parcours d'Alia.
Alors, l'année suivante, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu te mets, j'imagine, à reprendre peut-être contact avec la Chaumière Atsaïr? Voilà, alors j'ai été en contact avec eux, j'ai commencé à... Ils voulaient développer des programmes pour des Français, des programmes courts, des programmes Massa, donc j'ai commencé à travailler sur plusieurs projets avec eux. Donc sur du contenu? Sur du contenu, sur des programmes. En parallèle, je crois que je suis passée par la case obligatoire... peut-être malheureusement, je ne sais pas, du call center, parce qu'il faut quand même payer... Oui, mais c'est important de le dire que ça arrive à tout le monde et que ce n'est pas grave. Non. Après tout, parce que tout le monde décrit les call centers comme... Mais certains, parfois, sont bien contents de les trouver. Exactement. Moi, je suis vraiment... Je ne critique pas du tout. Ça m'a permis de découvrir des Olim de communautés différentes françaises que je n'aurais jamais rencontrées parce que je ne vivais pas dans une communauté juive, dans un quartier où il y avait beaucoup de gens de communauté juive. J'ai grandi dans un mouvement de jeunesse et j'en ai pas fait d'autres. Donc, en fait, j'ai découvert vraiment la diversité de la communauté francophone. Voilà. Donc, moi, je suis très reconnaissante pour cette expérience. T'es restée amis. Combien de temps là-bas? Je suis restée un an. Un an quand même, ouais, à bosser au call center. À mi-temps, à bosser au call center parce que mon hébreu me permettait pas de trouver un job en Israël. En plus, avec résolution de conflit, on fait pas grand-chose. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas un job direct où on sort et on a un job. Et en parallèle, je me suis dit, bon, bah, c'est aussi l'occasion de mettre en pratique une idée que j'ai eue en faisant du bénévolat en Israël, où je me suis rendu compte que les Israéliens étaient la population qui faisait le plus de bénévolat. C'est le pays qui fait le plus de bénévolat au monde, mais c'est le balagan, c'est le bazar, ça marche pas. Donc les Israéliens sont au top pour donner de leur temps, donner de leur énergie, mais par contre, pour organiser tout ça... C'est un peu le bazar. Et donc, moi, j'ai commencé, pendant mon master, à développer une sorte de programme qui aide les associations à gérer leurs bénévoles, à les entraîner, à les développer tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas créer une association qui va essayer d'aider d'autres associations parce que la bureaucratie... Ça ne va pas être possible, mais tu vas créer une boîte, quoi. Voilà. C'est ce que t'as donc, fait. J'ai créé Changeity, qui est une entreprise Alors, attends, sociale. Tu l'as dit rapidement. D'accord. Tu vas créer Change, donc changer IT, ce qui veut dire... Avec moi, with me, voilà. Exactement. Donc changeons, changez ensemble, avec moi. Ensemble, exactement. C'était vraiment l'idée de départ d'aider les associations et d'aider les bénévoles, dont les Olim, qui ont l'habitude souvent, ont un lien sioniste très fort avec Israël et veulent ici donner de leur temps, essayer de s'intégrer. C'est aussi une porte d'entrée pour rencontrer des Israéliens. Et donc... C'est une entreprise sociale, comme on dit, et tu aides les associations à mieux s'organiser, c'est ça alors, ce que tu fais? Alors ça, c'était le début. Maintenant, ça a changé. Ça a changé. Le début, c'était ça. C'était vraiment de les aider. Ça a bien marché, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en tant qu'entreprise sociale, c'était pas viable. Et donc, il fallait... trouver un moyen de gagner ta vie, de gagner ma vie et de faire que l'argent rentrait pour pouvoir en fait continuer. Et donc du coup, ça s'est transformé. Aujourd'hui, j'organise des programmes de bénévolat sur mesure pour des groupes. Donc du contenu. Du contenu. Encore une fois. Exactement. Ça te poursuit. Merci la Chaumère. Du contenu et du terrain mélangé avec une mitzvah au passage et une façon de découvrir Israël autrement. D'accord, donc ça peut être pour tous les groupes différents, pour des adultes, pour des familles, exactement, pour des privés, des sociétés, ça peut être plein de choses, voilà. Tu fais tout quoi. Et j'ai commencé vraiment avec mon réseau de mouvements de jeunesse en France, en Europe, etc. Et aujourd'hui j'ai des entreprises israéliennes qui envoient leurs employés pour une journée de bénévolat tous les mois et j'organise tout pour que ça se passe bien et que ce soit vraiment une expérience positive pour eux et aussi pour l'association, pour les gens qui reçoivent le bénévolat. D'accord. Bon, alors ça, c'est la partie, on va dire, officielle de ton activité. Tu as d'autres, en tout cas, qui te permet de vivre. Et puis, tu es bien sûr très active au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Oui, tout à fait. Elle fait beaucoup de choses, cette jeune femme, beaucoup de choses. Elle ne dort pas non plus encore. On n'a que des hyperactifs dans ce studio, ça qui est bien. Ah oui, là, c'est le sacrifice, je crois. Les heures de sommeil, il faut l'accepter. C'est ça. Donc, depuis un an, tu travailles sur un nouveau projet au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Tu travailles sur un programme d'intégration et de formation au leadership, on va dire ça. Exactement. Comme ça, pour des jeunes nouveaux immigrants qui sont, on va dire, qui ont du potentiel. Exactement. Et alors, moi, de mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que les animateurs dans les mouvements de jeunesse avec quelque chose de spécial, une passion, une motivation,
voulait donner à la société. Une énergie aussi. Une énergie. Et en fait, on s'est dit, OK, on ne peut malheureusement pas aider tout le monde. Ces jeunes arrivent souvent entre 18 et 22 ans. Et on va les aider à la source. On va leur proposer de faire un programme d'intégration qui est et des séminaires et des ateliers et des rencontres, parce qu'aussi ce qui manque beaucoup, et on va en parler je pense, c'est le réseau. Quand on arrive ici, on voit que les Israéliens trouvent du travail grâce à leur réseau, ils connaissent tout le monde. C'est la chose qui nous manque aussi nous au LIM, et donc on essaye de développer en fait chez Céolim un groupe solide, une communauté qui est à la fois des religieux et des laïcs, des gens de gauche, de droite, une mixité du monde entier de juifs qui ont grandi dans des mouvements de jeunesse et qui veulent s'investir dans la société israélienne. Tu penses que si tu avais eu plus de réseau quand tu es arrivé, tu ne serais peut-être pas passé par l'étape call center ? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense pas parce que malheureusement, c'est des salaires qui sont plus élevés que ce qu'on pourrait avoir dans des jobs israéliens. Donc, quand on est étudiant, quand on vient d'arriver, avoir un salaire en mi-temps qui est presque un salaire plein temps, ça fait une différence. Bien sûr. Et aussi, je parlais pas la langue. Pour moi, c'est le béaba. On peut pas. Bon, en tout cas, pour ceux qui parlent la langue, l'hébreu, avoir du réseau, ça aide énormément. Et tu travailles pour eux. Faut bien le dire. Et tu le fais bien. Donc, tu essayes de trouver les talents qui existent dans les mouvements de jeunesse à l'étranger pour les intégrer dans ces programmes. Tu fais encore plein de choses, évidemment. Tu travailles sur la radio juive de Belgique. Mm-hmm. Tu fais des actus le matin. Donc, si vous avez reconnu cette douce voix. Eh bien, c'est que vous suivez Radio Judaïka. Et puis, alors là, nouvelle activité, tu as été contactée pour rentrer en politique dans ta ville. Tout à fait, à Tel Aviv. J'ai été contactée justement par tous ces programmes. Je pense que moi, personnellement, j'ai essayé de rencontrer plein d'Israéliens, de construire en fait des sortes de ponts avec les gens. Entre les gens. Dans une société très clivée, la société israélienne, qui ne correspond pas du tout aux francophones. Non, pas du tout. Donc c'est peut-être ce qu'on a apporté. Exactement, en tout cas c'est ce que je pense. Et du coup, j'ai été contactée par Mekomi, qui est une nouvelle association. C'est un parti local. En Israël, il y a le statut de parti national et local. Et ça a commencé en fait vraiment comme une association de jeunes qui en fait en avaient marre de se plaindre toujours de la même chose sur Secret Tel Aviv, sur Facebook, au café. En fait, c'était les mêmes choses, le prix du loyer, les propriétaires qui nous traitent d'une façon abjecte et qui utilisent tout leur pouvoir contre nous en tant que jeunes et en tant que Olim ou en tant qu'Israélien, on ne sait pas quoi faire. La culture, qu'est-ce que c'est la culture à Tel Aviv, ça pourrait être vraiment censé être une ville internationale. Tu as parlé d'un mouvement politique, un parti politique, c'est quelle tendance à peu près? Alors justement, à Tel Aviv, c'est une liste qui représente les jeunes. Et donc, on ne rentre pas dans ce qui va être vraiment politique, dans ces clivages qu'on connaît de droite-gauche. Okay. Donc en fait, la façon dont on s'identifie, c'est social-démocrate, c'est-à-dire ce qu'on connaît, nous, en Europe. Qu'on soit de droite ou de gauche en Europe, c'est souvent social-démocrate, c'est quand même la base. Ici, ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est vraiment cette vision des services sociaux plus développés, de l'entraide, des communautés, des responsabilités aussi au niveau local. Alors on fera forcément, comme on l'a fait avec tous les candidats francophones, une émission où on posera les mêmes questions qu'aux autres candidats, sur le logement, sur les communautés, justement, l'intégration, la culture. Mais là, donc, c'est un parti de jeunes, en gros. Oui. On va dire ça comme ça. À Tel Aviv, c'est ça. Parce que vous représentez combien en pourcentage de la population de Tel Aviv? Alors, officiellement, les gens qui sont inscrits sur les listes électorales, qui ont déplacé leur ktovet, leur adresse sur leur Théodat Zéhout, c'est un quart des habitants de Tel Aviv, des résidents, mais les habitants, c'est plus d'un tiers, qui sont entre 17 et 35 ans. C'est plus d'un tiers, c'est environ 130 000 personnes qui n'ont aujourd'hui aucune représentation au conseil municipal. Et donc, Il n'y a pas de gens de moins de 35 ans au conseil municipal? Non. Personne. De moins de 30 ans, il y a une personne de moins de 35 ans, mais il y a personne qui représente même tout simplement. Il y a des jeunes qui ont des enfants, déjà des familles, mais il n'y a aucune personne qui n'a pas sa voiture à lui. Donc tout le monde a leur voiture privée. Donc tout ce qui va être transport en commun, etc., c'est pas forcément leur priorité. Quand on a des enfants, on a évidemment pas les mêmes priorités que de quelqu'un qui est soldat. Okay. Donc toutes ces questions-là, en fait, on s'est dit, OK, on va travailler avec toutes ces communautés. Et moi, ce que j'ai dit, OK, super, je suis tout à fait d'accord, mais il faut ramener la communauté des Olim.
français et pas que, dans une des communautés que Mekomi va représenter. Alors, de toutes tes casquettes, qui sont nombreuses, laquelle tu préfères ? C'est dur, ça ? J'ai l'impression que tout se rejoint. C'est ça qui fait que j'aime tellement et que toute ma famille et tout le monde me dit « Arrête, choisis, prends un ou deux, stop, ça doit s'arrêter. » Et que je le fais pas parce qu'au final... Pour moi, c'est une sorte de puzzle, c'est-à-dire il y a le côté politique qui donne un moyen d'agir sur la société, il y a le côté de mon entreprise sociale qui me fait de rencontrer des nouvelles personnes et qui me permet... Qui fait vivre. Voilà, on a eu plus de 1800 bénévoles en 3 ans qui auraient peut-être jamais fait de bénévolat si on ne l'avait pas organisé. Donc c'est vraiment du massif, on prend les c'est gens concret. Et on les... Voilà. Et puis avec les Olim, c'est aussi très important pour moi parce que je vois qu'aujourd'hui, tous mes amis, on est passés par des parcours où on a tellement appris et il faut aider, il faut construire des programmes. Et c'est super quand les Israéliens nous aident, mais nous, on est passés par cette expérience. Donc nous, on peut construire les programmes, on peut être partenaire et on peut permettre à des Olim plus récents d'éviter les catastrophes et les problèmes que nous, on a dû vivre parce qu'il n'y avait rien. Tu veux trouver des partenaires dans la société israélienne ? C'est ton but ? C'est mon but. Je pense que c'est très important de ne pas perdre notre identité française, de Olim français et de savoir qui on est, ce dont on a besoin. Mais j'ai peur qu'en faisant ça, sans faire du lobbying, sans se développer comme ce que Kalita fait d'ailleurs au niveau national, si on reste qu'entre nous et qu'on ne va pas essayer de trouver des partenaires à l'extérieur, malheureusement, je pense qu'on se limite. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'être sur une liste avec des Israéliens et pas une liste que de Olim. D'accord, mais se limiter, c'est pas pour toi. Pour une autre. On peut dire ça comme ça. Bon, bah continue bien. Nous, ça nous fait chaud au cœur. On était ravis de te connaître. Et on va en profiter pour faire une autre émission avec toi. On parlera des sujets plus concrets que va sûrement défendre ta liste Mekomi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.